Sous tutelle, curatelle, j'ai le droit d'avoir une personne de confiance. À l'hôpital, quand j'étais pas bien, il fallait une personne de confiance, j'avais personne. Mon fils n'était pas là, alors j'ai choisi mon tuteur. J'ai pas de personne de confiance. C'est ma tutelle qui prend des décisions. C'est pas la mieux placée pour avoir des décisions directement. Une personne de confiance, ça doit être une personne qu'on a vraiment envie d'avoir, quoi, de choisir. J'aimerais bien choisir, mais j'en ai pas pour l'instant. J'ai le droit de choisir ma personne de confiance. Ma personne de confiance m'aide à exprimer ce que je souhaite pour ma santé. C'est une personne qui me connaît bien, quelqu'un de ma famille ou de mes amis, par exemple. C'est à moi de la choisir et de lui demander si elle est d'accord. Alors, elle pourra exprimer mes volontés si besoin, que je sois sous tutelle, sous curatelle ou autre. Mais si je suis sous tutelle à la personne, et seulement dans ce cas, je dois avoir l'autorisation du juge ou du conseil de famille pour nommer ma personne de confiance. Heureusement que j'ai rencontré Vincent. Je lui ai demandé d'être la personne de confiance et ça m'a permis de... Quand je ne comprends pas un mot sur un papier et tout, sur un courrier et tout, ben je lui montre. Hein. Je lui montre. Après, quand Vincent n'est pas là, ben je le montre aux GM et tout. Avant, j'avais toujours besoin de ma personne de confiance pour aller à mes rendez-vous médicaux, mais maintenant, j'y vais toute seule. C'est rare que je me fais accompagner. En général, si je me fais accompagner, c'est sur ma demande et c'est pas par quelqu'un qui travaille dans le milieu professionnel, c'est par un ami. Je veux pas de personne qui va être payée pour m'accompagner à un rendez-vous, quoi. Je préfère que ce soit un ami auquel je peux dire des choses. C'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on n'a pas des droits, mais on a des droits. Toi, tu as des droits, vous avez des droits. Alors moi, j'ai des droits aussi.